Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile, je vais vous montrer comment créer une note, puis comment en copier le contenu et le coller à un autre endroit, par exemple dans une adresse email, puis comment supprimer cette note. Pour ce faire, vous allez aller sur l'application de notes de votre téléphone portable, pour moi Samsung Notes, vous cliquez sur « Plus » et vous allez donner un titre. Par exemple, « Liste de courses ». On va faire ici une liste numérotée avec petit 1 par exemple. Poisson, petit 2, fruits, petit 3, et légumes, petit 4, ail, petit 5, on va mettre je sais pas ce qu'on va mettre. On va mettre ampoule. Petit 6. On va mettre ouvre-boîte. Petit 7, on va mettre sac poubelle. On enregistre. On peut revenir en arrière et on voit ici que la nouvelle note est bien enregistrée. On peut aller de nouveau dessus, appuyer sur le crayon pour pouvoir agir dessus. Par exemple, en sélectionnant ceci, on peut aller sur la palette de peinture et choisir la couleur rouge et aller sur terminer. Mais sur le titre, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais mettre plutôt ici sur un mot et je vais le sélectionner. Voilà, je vais donc aller choisir le rouge. En fait, c'est pour agir sur un dessin. Donc, nous allons agir sur la police de caractère. Nous allons sur le T. Et nous allons aller sur la couleur de police, pardon. Donc, le rouge, par exemple. On appuie sur fermer. Ensuite, sur le T. On va se mettre en vert, on appuie sur fermer. Vous voyez que si on se met seulement sur le mot où le curseur clignote, celui-ci n'est pas pris en compte. Il faut donc tout le sélectionner. Vous allez appuyer sur T et vous vous mettez sur vert. Puis sur fermer. Légumes. Voilà. Vous allez sur le T. Et vous allez choisir une autre couleur. Ensuite, pareil pour ail, on va choisir une couleur, fermer. Mais il vous faut pour cela tout le sélectionner, comme je vous ai montré tout à l'heure. Fermer. Et on va rester comme ceci. On va enregistrer la note.
pour sélectionner tout le contenu, on va se retourner en mode création. Et lorsque vous voyez cette icône bleue en forme de goutte, vous allez cliquer sur sélectionner tout. Ici, nous étions sur le titre, donc ça sélectionne uniquement le titre. Mais par contre, si vous vous mettez dans le corps même de la note et que vous cliquez sur sélectionner tout, cela sélectionne tout. Nous allons copier maintenant. On copie. Copier dans le presse-papier s'affiche. Maintenant, nous allons aller sortir. Et pour que nous puissions conserver ces données, qui pourront être tout autres pour vous, par exemple, des comptes rendus qui sont beaucoup plus longs, du texte beaucoup plus long, vous irez, par exemple, dans votre messagerie, moi, pour moi, Yahoo Mail, et nous irons ici sur le crayon et nous allons taper un objet, on va l'appeler liste de courses. On se met là. Et lorsque vous voyez la goutte, vous cliquez une fois dessus et vous voyez coller. Donc on va cliquer sur coller. On retrouve la liste, pas forcément mise en forme par rapport à la couleur du texte, mais ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Et on appuie sur envoyer. L'envoi a été fait. Donc maintenant, on va retourner dans la note en tant que telle, celle-ci. Et comme nous n'avons plus besoin de cette note, nous pouvons la supprimer en cliquant sur les trois points verticaux qui figurent en haut à droite de votre écran. Vous avez avant la possibilité de supprimer, de voir que vous pouvez imprimer. On va supprimer. Supprimer la note s'affiche. Vous pouvez soit annuler la suppression, soit vraiment supprimer. J'appuie sur supprimer. La note est bien supprimée. Maintenant, vous savez comment faire pour créer une note, la mettre en forme, en copier, en sélectionner le contenu, le copier, puis le coller, par exemple, dans une adresse email, dans un nouvel email, comment envoyer cet email, puis comment supprimer la note. Cette formation de téléphonie mobile sur l'utilisation des notes ou des mémos sur smartphone Android est maintenant terminée. C'est à vous.